Salut les guerriers et bienvenue à votre 8e séance de votre challenge sur suspension de traîneur. Alors, 8e séance, 8e jour, ça veut dire que nous sommes déjà en 2e semaine. La première semaine est terminée et nous attaquons maintenant la seconde. Alors, on va reprendre. Normalement, premier jour de la seconde semaine, on va travailler tous les muscles de la poussée, c'est-à-dire la poitrine, les épaules et les triceps. Alors là, on va travailler d'une certaine manière. Je vais vous laisser 20 minutes. Ok, 20 minutes, et sur ces 20 minutes, on va essayer d'enchaîner le maximum de séries complètes, si tu veux, si vous voulez, de 7, comme on dit, de séries complètes de tous les exercices. En tout, considérez qu'il y a 4 exercices, ok, 4 exercices, et avec un certain nombre de répétitions que je vous dirai par la suite. Et donc, sur 20 minutes, il faudra essayer de faire ces 4 exercices le maximum de fois possible. Ok ? Donc, donnez-vous à fond. Moi, je vais le faire et je compte sur vous. Allez, à tout de suite. Le premier exercice s'appelle le LRB Chest Press. Alors, il consiste en quoi ? Donc, premièrement, vous allez faire en sorte que vos deux sangles ne fassent plus qu'une. D'accord ? Donc, je vous laisse le réaliser, je sais que normalement maintenant vous savez le faire. Si vous ne savez pas le faire, je vous laisse regarder la vidéo explicative. Et regardez, vous allez attraper donc votre sangle avec votre main droite. Ok ? Dans cette position, votre bras droit est complètement tendu. Vous allez mettre votre première jambe, c'est-à-dire la jambe gauche cette fois-ci en avant, et jambe droite en arrière. Et dans cette position, votre main gauche va aller dans le dos. Et regardez ici, vous allez descendre vers l'avant et faire comme un chest press classique, sauf que cette fois-ci, ce sera avec un seul bras. Donc, un pied devant, un pied derrière, pour que ce soit un petit peu plus facile à réaliser. Et on y va, vous descendez et vous poussez. Si vous sentez que ça va, vous pouvez en faire davantage, c'est assez simple pour vous, n'hésitez pas à reculer vos deux jambes. Okay ? Et là, vous aurez un petit peu plus de résistance. Si c'est plus difficile ou si c'est trop difficile d'ailleurs, n'hésitez pas à avancer vos jambes pour réaliser votre chest press. Ok ? Donc 15 répétitions avec le bras droit. S'ensuit, bien évidemment, 15 répétitions avec le bras gauche. Donc là, on inverse toutes les positions. Hein. Bras gauche tendu, main droite dans le dos, le pied droit et en avant, le pied gauche derrière. Et là, même travail et vous poussez. Ok ? Pour 15 répétitions également. Et une fois que c'est terminé, on va faire les deux bras en même temps. Donc là, on décroche, voilà, ces sangles, rapidement, voilà. On se remet en position, et la chest press classique, sauf que cette fois-ci, vos deux pieds vont être joints, l'un contre l'autre, ok. Et ici, descendez les deux mains en même temps, et repoussez, ok. On descend, et on repousse, en veillant bien à avoir vos deux jambes serrées, ok. Pour cet exercice et pour tous les autres qui vont suivre, n'oubliez pas, pour la respiration, vous allez inspirer en descendant et expirer en poussant. Ça marche ? Eh bien écoutez, donc le chest press à deux mains est à réaliser 30 répétitions, donc 15 bras droit, 15 bras gauche et 30 pour les deux en même temps. Ça marche ? Allez, on passe tout de suite à l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, on ne va pas vraiment changer les positions, vous êtes déjà en place, vous êtes très bien, d'accord ? Vos deux sangles doivent être détachées l'une de l'autre, donc ça va s'en suivre directement avec le premier exercice. Gardez bien les bras tendus, les jambes écartées un petit peu plus que largeur du bassin, vous êtes légèrement penché en avant, les bras bien tendus, et regardez là, on va faire le triceps extension. Donc ici, hop, on plie les bras jusqu'à arriver à peu près à 90 degrés, et ensuite vous tendez les bras, ok ? Vous pliez et vous tendez, inspirez en descendant, essoufflez en poussant, inspirez, essoufflez. Donc le triceps extension avec jambes écartées est l'exercice numéro 2 qu'il faudra réaliser 30 répétitions également. Et attention, maintenant on va passer à l'exercice numéro 3 qui là va être un petit peu plus acrobatique. Nous voilà donc arrivés à l'exercice numéro 3. Donc comme je vous ai dit, l'exercice numéro 3 va être un petit peu plus acrobatique. Il va vous falloir dans un premier temps préparer votre suspension de traîneur, donc pour rassembler vos deux sangles. Et regardez maintenant, geste technique. Nous allons faire ce qu'on appelle le handstand. Handstand, ça veut dire qu'on va être en équilibre sur les mains. Okay ? Mais aujourd'hui, ça va être le semi-handstand. Ça veut dire qu'on aura quand même un pied au sol. Et dans cette position, il faudra justement pomper, faire des pompes. Alors regardez bien. Comment faire? Tout simplement, donc vous avez votre petite lanière ici que vous allez accrocher au niveau de votre pied. Ok? Vous vous retournez
Voilà, dans cette position. Et les mains sont au sol. Et là, tendez la jambe. Voilà, pour vous retrouver dans cette position. Donc, une jambe en l'air et l'autre jambe au sol. Et dans cette position, on descend et on pousse. On descend, on pousse, on descend, on pousse. Lorsque vous descendez, il va falloir inspirer. Lorsque vous allez pousser, il va falloir expirer. On descend et on pousse. Ok ? Et donc, le handstand, le semi-handstand, push-up sera à réaliser 15 répétitions. D'accord ? Donc, n'oubliez pas, premier exercice, 15, 15, 30. Second exercice, 30 répétitions. Et le dernier, 15 répétitions. Et tout ça va être à réaliser, donc ces trois exercices, ou quatre si vous voulez, ont tous un certain nombre de répétitions, et tout ça forme ce qu'on appelle un set, ok? Et donc ce set, il faudra le réaliser le maximum de fois possible. Vous avez 20 minutes, et donc sur ces 20 minutes, vous allez enchaîner tous ces exercices, et vous me direz à la fin, justement, combien d'enchaînements vous avez pu réaliser. Je vous le dis tout de suite, ça va chauffer. Hein. Au niveau des bras, des épaules, ça va chauffer. Et bien écoutez, sur ce, souhaitez-moi bon courage parce que je vais m'y mettre. Et puis, quant à nous, après, je vous souhaiterai bon courage. Ça marche? Allez, à tout de suite!
dire un truc, c'est souvent en réalisant ses propres entraînements qu'on peut se rendre compte des fois de la cruauté qu'on peut avoir envers ses élèves. Et je peux vous dire que là, j'ai l'impression d'avoir été vraiment cruel avec mes bras, mais gardez en tête que c'est pour votre bien. Ok ? Voilà, sinon les 20 minutes donc sont terminées. Au niveau des scores, pensez à une chose, dites-vous qu'à partir de 3 sets complets d'exercices réalisés sur les 20 minutes, c'est quelque chose de bien. 4 c'est très bien, et si vous arrivez à en faire 5 voire plus, c'est excellent, hein, c'est vraiment excellent. Voilà, maintenant si vous avez diverses questions à propos de l'entraînement ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire à la fin de cette vidéo, que je lirai hein, vraiment avec attention et auquel je vous répondrai. Et si vous avez d'autres questions, que ce soit alimentation, programmation de vos entraînements ou quoi que ce soit, n'hésitez pas encore à m'écrire. Ok ? Eh bien écoutez, voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Nous, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ok ? Donc demain, prochaine vidéo d'entraînement. Vous inquiétez pas, on ne fera pas les bras. On va être un peu plus cool. Et puis, pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes futurs entraînements. Ça marche ? Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse. Moi, je vais aller à la douche, je vais aller, je sais pas, me faire masser, tiens. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Os !